C'est connu depuis plusieurs mois, le chanteur congolais Fally Ipupa est attendu en concert à Paris ce 28 février à Accor Hotels Arena. Après 10 ans d'absence, Fally Ipupa, l'un des plus grands artistes congolais de sa génération, entend défendre sa notoriété sur l'une des scènes emblématiques du territoire français. Il y aura de la bonne musique, il y aura des surprises et on va vraiment faire une grosse fête à Paris. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des concerts live à Paris. Donc là, on revient vraiment en force, on est déterminé. On a envie de faire plaisir aux gens. Donc les gens qui ont déjà pris leur ticket, les rendez-vous est pris pour le 28 février. Et ceux qui n'ont pas encore chopé leur ticket, il faut speeder parce qu'il ne reste quasiment plus de place. Donc voilà, tenez-vous prêts. Le 28 février, 20h30, je suis sur scène. L'Accor Hotels Arena, c'est plus de 20 000 places et l'artiste se dit prêt pour le défi. Celui qui défend actuellement son propre style musical, qu'il appelle Tokos, déclare qu'il était grand temps pour un autre passage inoubliable à Paris. Ouais, c'est même pas un défi, je pense que c'est une suite logique. Pour moi, j'ai déjà fait l'Olympia à Paris, j'ai fait deux fois Zénith. Je pense que la next step pour moi, c'est le Bercy. Ex-Bercy, Accor Hotel Arena, c'est normal. Aujourd'hui, je pense que j'ai un public qui me réclame. Je pense que pour satisfaire tout le monde, il fallait aller quand même à Bercy. Après son concert à Paris, Fally Ipupa a décidé de reverser une partie des bénéfices de son concert à la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes et prix Nobel de la paix 2018. Le docteur Mukwege lutte contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo.